Salut à tous les amis, c'est Aquasis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sous The Legend of Zelda Skyward Sword. En compagnie de cette chose là, que je ne nommerai pas. Alors, est-ce qu'on peut y aller s'il vous plaît? Oui, on largue les amarres, oui. Alors c'est parti. Ouais. On va aller sur l'eau, enfin, l'eau, le sable, le... On vogue sur la mer du temps, d'une certaine façon, quand tu regardes bien. Ça faisait un moment que j'avais pas à naviguer, ça commence à me revenir. Déplace le bateau avec ça, si tu appuies sur A en même temps, tu iras plus vite. Prépare le canon avec B et tire avec A. Hi hi sir. La marque X indique l'île où se trouve ma maison. L'île est équipée d'un ponton, on accostera là-bas. Oups, et la Wiimote est encore décalée. Allez en route moussaillon. Yes sir. Wouhou. Ah ouais c'est grand quand même hein. Ah, mais il faut que le bateau se repose. Ah, ouais, encore comme le truc d'énergie. Bon, arrêtez avec ça, les meufs. Enfin bon. Ok, la petite île est là. Il y a des fleurs. C'est sur les fleurs. Arc-en-ciel à rainbow. Bon, le ponton est là. Allez. Tout en douceur. Je suis un marin né, voyons. Oh putain, c'est ça ton île? La maison du capitaine, waouh! Ah ouais, donc oui, effectivement, il y a sa gueule en haut, mais. Et là aussi. Mais il était vraiment obligé de vivre là-haut. On est arrivé! Comment tu montes là-haut à la base? Ma maison est au sommet. La carte marine se trouve dans la maison, va vite la chercher. Ça grouille de monstres dans le coin, fais bien attention. Si je m'éloigne du bateau, je serai meilleur circuit. Alors je t'attends ici. Attends. Il est conscient de ce qui lui arrive? Ce serait bien le premier? Ah, il a donc compris qu'il est censé être mort. D'accord, d'accord. C'est un peu triste. Mais il n'a pas l'air de... Ouais, bon. Petite sauvegarde. Parce qu'on en a toujours besoin. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, hop. Attendez, est-ce qu'il y a des cœurs, là? Non, il y a un rubis. Est-ce qu'il y a un cœur, là? Non, il y a encore un rubis. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a des cœurs, là? Non. De l'air. Fuck you, that's why. Ah non, ouais, c'est un truc à sens unique. Ah non, parce qu'évidemment, il y aurait pas un accès direct. Il faut que je me fasse chier. Attends. Petite bombe dans sa face. Je ne t'aime pas. Voilà. Bon, il y avait un cœur. C'est pas un truc de cœur, ça en haut, si t'arrives à casser le truc. Faut arriver à casser le sommet du cactus. Mais à quoi? Mais pourquoi tu casses un cactus? C'est censé être tes amis. Non. Arrête avec ça maintenant, ça suffit. Et il y a mon chat qui meurt. Il est mignon. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il est mignon? Voilà. Et vous êtes tous jaloux de mon chat. Vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas normaux. Voilà, hop. Hop, j'ai encore la manette qui a déconné. Voilà. Oh non, pas cela. Un peu de cœur, ce serait trop demandé ici. Oh, il y a un coffre. Ah oui, il faut utiliser ces choses-là. Oh, et la manette est encore décalée. Voilà. Oh, bon. Et un peu de bowling. Voilà. Hop, non, moi, je vais mettre ça. Voilà. Il y a un petit quelque chose ici. Mon petit doigt me dit que si je fais kaboum ça, eh ben un trou. Pourquoi j'allais faire une blague absolument délicieuse à ce sujet? Je me fais punir. Rien à cause de ce... Ah! Mais c'est tué par un petit enfoiré! Faye, je sais que ma vie est presque vide, je sais, bla bla bla. Attends. Hop, voilà. 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 On viole. Et ces trucs ne te calculent même pas quoi, tu t'as... Le grappin, c'est-à-dire que tu te plantes dans leur corps.
Même pas il te calcule. Ouais, non, ça va. C'est toi qui me gratte, tiens. Ah, des insectes. Pourquoi pas, après tout. Si, putain de son of a... Aïe. Putain, je vais pas me laisser tuer par un cactus. Ce serait le comble. Oh putain, non, pas lui. Oh, dégage. Oh putain, en plus il commence à avoir les boucliers en fer maintenant. C'est-à-dire qu'avant je pouvais casser son bouclier en bois, mais il a plus maintenant. Lol, je passe. Lol, je passe pas. Tiens, mange. Voilà. Ça c'est fait. Un cœur. Je te remercie pour ton attention. Que cache ce joli tout petit coffre? Il cache un rubis de vin, bordel. Je vois un cube de ADS là-bas. Moi, bon, mon enfant. Je lui attrape par le cul, moi, tu vas voir. Dans le cul! Dans le cul, Lulu! Lala. Hop, hop. Oui, pardon. T'as des problèmes, quoi? Hop. Il va s'éloigner lentement de la bombe. Et moi j'en profite pour me casser pendant que lui il s'éloigne de la bombe. Je le pêche quand même parce que s'il vient je vais pas prendre la gueule. Voilà, hop. Et j'ai encore la manette qui est encore décalée. Ça, ça commence à me saouler. Ah non, lui c'est le fouet. J'ai oublié. Ah ah ah. Mmh. Ici. Ici. Non. Oui. Ah, faut faire éclore la fleur. Il y a des meilleures manières pour faire ça, mais qu'un fouet, mais je vais m'en contenter. Tu m'attends. Tu m'attends avant de t'en violer. Il y a encore la manette qui est décalée. Voilà. Ouais, c'est juste une grosse session d'escalade, quoi. Et le mec il vit en haut tout ça, non. Il manque un casque. Enfin non, il en a un sur la tête, mais ça doit pas l'aider. Je vois ces bestioles là, je crois pas que j'en ai eu. C'est des sauterelles, non? Non, c'est des libellules. J'essaie de les choper, tiens, je les ai jamais eu celle-là. Histoire de, vous savez, ça ne sert strictement à rien, mais j'ai envie. Because YOLO, that's why! Moi, non, je vais pas me casser. Allez, oh. M'en fous! Non, je ne sois pas capable. Ah! Ouh, non! Ouh, non! Ouh, non! Non! Regardez. Quelque chose là, quelque chose qui veut ma mort. C'est vrai que je l'avais pas vu, hein. Bitch. Allez. C'est vrai que je t'avais pas vu, hein. Ah, tu croyais, hein. Eh ben, bitch, voilà. Pourquoi mon cadeau il tombe dans le sable? Tous mes espoirs partent dans le sable. Et au passage, aussi cette manette. Manette va partir dans le sable si ça continue. Mais elle est incrustée d'or. Enfin, pas d'or, mais. Enfin, elle a la petite couleur dorée, puisque c'est la. C'est la Wiimote Zelda que j'ai eu justement avec ce jeu. Nope. C'est fouet, bitch. Fouet. Voilà. Arrête de bouger! Arrête de vivre! Juste serre-moi de cible grappin, c'est tout ce qu'on te demande! C'est cruel quand même, regarde bien. Bon ben, on remonte, j'arrive pas à l'attraper. Ah bah tout de même! Nous y viola! La maison du capitaine.
Parce que oui, il pouvait pas vivre dans un endroit encore plus chiant à atteindre. Non, 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 non. Voyons, je pouvais pas trouver plus chiant. Ah, effectivement, on va falloir faire un peu de ménage. Wow. Oh, mais d'abord, la magie du tabouret. Sia, maître Feuille au rapport, atteignons notre objectif avant de prendre une pause. Allons d'abord chercher la carte marine. Feuille, ta gueule, je récupère mes PV. C'est trop te demander. Elle est la première à me dire, mais maître, il faut que vous vous soigniez. Bah oui, bah je me soigne. Non maître, vous vous soignez pas. Vous bougez votre cul. Je t'emmerde, Faye, voilà, je t'emmerde. Je te merde du plus profond de ma merdasse. Ça te va? Voilà, je me fais devenir grossier. Ouais, des perles inutiles encore. Wouhou. Il y avait des gens chez lui. J'imagine que ça doit être sa famille. Sa famille est morte maintenant. Ah, ça lui apprendra à avoir un nom. Merde. Oui, parce que j'imagine que tout est lié. Bonjour. Vous êtes la femme ou le fils? Ou la fille? Ou la tante? Ou la belle-mère? Si c'est la belle-mère, peut-être qu'il sera content alors dans ce cas de savoir ce qui lui est arrivé. Pour la femme, j'en suis peut-être moins sûr. Ça dépend comment, à quel point sa femme était chiante. Voilà. Voilà. Un peu de poussière. Je fais un peu de ménage, hein. Je sais, ça sert strictement à rien, mais on sait jamais si ça y a un petit machin qui se dévoile, vous savez. Je fais jamais. Puis je fais ce que je veux d'abord. Hein, voilà. Ça suffit maintenant. La carte marine ancienne. Maître, c'est la carte marine du capitaine. Portons-la au bateau. Regardez par ici, maître. Ouais, on peut voir comment était le bateau. Référence Titanic, bien, bien, bien. La probabilité que ce navire soit celui qui protège la femme de Nairu est de 90%. Je suppose que la capitaine y a passé des jours heureux entourée de son équipage. Merci de rendre la chose encore plus déprimante, Faye. Maintenant, on réalise qu'ils sont tous morts. Voilà, Faye, bravo. Mais alors là, ta subtilité. Une seconde, j'ai remarqué quelque chose sur ma carte. Ah ouais, regardez, il y a des petits pointillés verts qui indiquent mes derniers pas. Ça ne sert strictement à rien. Sauf si t'es dans un labyrinthe, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de labyrinthe dans le jeu. Il n'y a pas de labyrinthe dans les Zelda en général. Pas beaucoup en tout cas. Ou pas difficile. Bon, maintenant je pense qu'on peut prendre le train express. Et maintenant, voilà. YOLO. J'arrête pas. Voilà. C'était tellement plus rapide de redescendre. De ce fait, je vais faire une sauvegarde immédiatement, car même si ça coupe un peu le rythme du let's play, je n'ai pas envie de refaire cette séquence quoi qu'il arrive. Voilà. Car c'était un peu pénible de devoir grimper. Oh, moche. Bien, tu as ramené la carte marine. Avec ça, on va pouvoir naviguer correctement. Allons chercher mon navire maintenant. On embarque? Ouais. On largue les amarres. Et donc, tu t'inquiétais pas des personnes qui étaient éventuellement chez toi. Bon, t'imagines, j'imagine peut-être qu'il a compris qu'elles étaient mortes, mais enfin, tout de même. Jetons un œil à cette carte marine que tu as ramenée. Enfin, pas morte, mais désactivée. Plutôt. Ça aurait été une meilleure. Oh! Ah ouais, effectivement, c'est une toute autre histoire. La carte X indique la position du chantier naval. Un chantier naval? Comment c'est un chantier naval? Le chantier naval est un site de construction de bateaux. C'est là que mon navire a été fabriqué. Tu pourras peut-être y obtenir des indices sur l'endroit où se trouve mon navire, là-bas. Allez, on largue les amarres. Bah putain, décidément, en fait, il n'y a pas grand-chose dans cette zone. Hein. Que ce soit la maison du capitaine, à la limite, ok. Après, de l'eau et un chantier naval. Il est le seul vivant dans la région avec son bateau. Et surtout, non mais vous avez vu comme la mer est peu profonde. Quel genre de bateau pourrait naviguer dessus? Ouh.
Voilà, ha! J'ai joué à The Wind Waker, j'ai l'habitude des canons, bitch! The Wind Waker et Phantom Hourglass. Il y a plein de bestioles dans l'eau. Ça grouille de bestioles dans l'eau. Aglou, aglou, aglou. Moi, je sais pas quoi dire. Ah tiens, là par contre, là l'océan a une profondeur normale. Enfin, plus une profondeur de mer, je dirais là. Même pas de mer. C'est encore pas beaucoup, je trouve. Strike! C'était rigolo. Voilà, je tenais juste à le dire. Je me suis amusé. Hop. Attendez, j'ai encore la Wiimote. Qui a décidé d'être une bitch? Allez! Et nous y voilà. Au printemps. Wouhou! Oh jeez. Chantier naval. Avec des rails partout. Holy shit, il y en a des choses. Ils pouvaient pas garder une structure simple dans la construction. Je veux dire, pourquoi ils se sont fait chier à faire des trucs aussi compliqués? Ils pouvaient pas faire un truc plat et simple. Non, non, nous, faut qu'on se la pète. Voilà, hein. On est arrivé. C'est l'île du chantier naval. Il y avait une ville ici avant. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier y habitaient. D'accord, donc en fait, c'est une ville. Ce bâtiment là-bas, c'est le chantier naval. Donc, toutes les autres tours, ce sont des habitations. Mais on ne peut plus y accéder car l'entrée est bloquée. On peut se déplacer sur cette île à l'aide d'un réseau de wagonnets. Si tu empruntes le réseau de wagonnets, tu trouveras peut-être l'entrée en arrière du chantier naval. Oui, donc on va faire tout le tour. Il y a une zone d'embarquement là-bas. Commence par t'y rendre. Je t'attends ici. Oui, donc toi, tu ne peux pas bouger, effectivement. Pour une fois, lui, il a une excuse pour ne pas me suivre. Hein? D'habitude, les PNJ sont... Je t'attends, je vérifie quelque chose, je répare le bateau, ou je me touche. Vas-y, amuse-toi bien. Non, ça marche. Bon, bah, je suis pas obligé de me battre contre vous, hein, j'ai pas... Ah si, 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 ils ont... Leur... J'en ai besoin pour améliorer les choses. Améliorer des objets. Je souffle. J'étais bien sûr. Aïe. Yo, deux contre un, c'est pas juste. Une fois, oh, oh. Bah attends, j'ai récupéré la petite queue. Voilà. Puis le deuxième, là, je vais le dérouiller. Hein? Arrête de faire ça tout le temps, le jeu là. Pitié qu'il fasse pas un ça dans le prochain Zelda. Parce que moi je vais péter un câble. Bitch, bitch. Il est pas seul. Enfin, je lui ai dérouillé la gueule. Au passage, tiens, j'ai remarqué qu'il faut beaucoup moins de coups pour le battre. Sûrement la preuve que mon épée a été vachement améliorée. Enfin, vachement, c'est vite dit. Une seule fois. Vers le centre de la ville. Ok. Wow! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Autrefois, ici, c'était la zone d'embarquement des wagonnets de la mine. Mais il fonctionne toujours. Faut pas croire. Si tu grimpes là-dedans, tu pourras faire le tour des îles des îlots du coin. Il y a des instructions sur le mur qui disent comment faire. Mais attention, c'est un peu dangereux quand même. Faut tout bien lire. Tu vas m'expliquer ce que tu fous là? Hein? Tu vis tout seul ici? Tu es un ermite? Tu ne t'étonnes pas de ma présence, que je sois un humain? Je ne sais pas si on s'est croisés. Les Gorons ont tendance un peu à se ressembler tous. Faut dire, on a rencontré que deux Gorons depuis le début du jeu. C'est quoi ces symboles sur son ventre? Oh non, j'ai dû rêver, j'ai cru que... Alors, approchez-vous, puis montez avec A. Dans les... Oh. Dans les virages, faites pencher le wagonnet avec la télécommande, oui. Si vous prenez trop de vitesse, freinez avec B. Sautez par-dessus les obstacles en secouant la télécommande vers le haut. Ok. Hop. Non, faut que j'arrête. Du calme. Du calme. Whoa!
Yes. Ils avaient rien de plus dangereux quand même comme système de transport dans leur ville, hein. D'accord, c'est efficace dans des habitations avec en hauteur comme ça, mais ils auraient pu trouver moins dangereux. Je sais pas. Le télésiège, vous connaissez. D'accord, c'est has-been et beaucoup plus lent, mais tout de même. Ah, j'en ai attrapé une. Libellule Gerudo. J'aime bien son nom. Ah, j'en avais déjà eu une. D'accord. Bon, de toute façon, c'est pas comme si ça avait... Hop, excusez-moi une seconde, les amis. Juste... Voilà, je ferme ma porte, parce qu'il y a eu un peu de bruit derrière. Voilà. Rien de bien. Oh, putain, il y a le chien dans les branches. Ta gueule. Voilà, j'entends pas. Ça risque d'être là. C'est ça, au moins, il emmerdera pas mon chien. Alors... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vers le chantier naval. Monsieur, êtes-vous en état d'avoir de communiquer avec moi ? Non, vous semblez mort. Enfin, désactivé. Mort dans votre cas. Fort bien. Oh, oh yeah, oh yeah. Faut que je m'arrête, pardon. Ouais, c'est parti. YOLO. Ah, il faut que je... Faut que j'incline dans la bonne direction. Oh, il vaut mieux que je me parte par là. YOLO. Swag. Wow, bitch. Oh, ça va vite. Au moins c'est marrant, on s'amuse. C'est action pack. Je vais vomir. Est-ce qu'il y a des sachets en papier? Je vais vomir. Wow. J'ai même pas besoin de sauter en fait. Bonjour. Vous êtes mort. Fantastique. Hop. Qu'est-ce ici? Ah bah en fait on est déjà au chantier naval. Magnifico. That is marvelous. Oh, il y a un peu de bruit. Maître, nous sommes arrivés dans la partie centrale du chantier naval. Oui, j'ai bien vu. Il y a des chaînes partout, ça m'excite. Et il y a des gens morts, ça m'excite aussi. Je plaisante. Avec le temps, les installations ont été recouvertes de sable. En toute logique, oui. Je vous recommande de fouiller dans le sable pour trouver des indices sur le navire. Merci, Captain Obvious. Bon. Bah écoutez, hop. On va se foutre là. Et on va souffler. Non, là c'est fouetté. Là c'est soufflé. On va voir où est à quel point c'est profond. Oh con. Oh là là. Ouais, ça va prendre du temps. Tout en plus, je comprends pas. Le truc souffle le sable. Pourquoi le sable s'enfonce? Il devrait être entassé ailleurs en toute logique. Il ne devrait pas disparaître comme ça. Non, c'est mon imagination. Dégage. Voilà. Je me débarrasse de ces bitches. Non. 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 Dégage. Je pense que ça va prendre du temps quand même, hein. Parce que mine de rien, du sable il y en a quand même. En fait, je pense que ça sert à rien de rester dans le petit coin là, mais surtout de souffler tout là. Ah, j'ai vu un petit quelque chose. Ah, voilà. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god. Oh non, quand ces putains de scorpions.
J'en ai déjà tué un une fois. Faut que je le tue aussi. Bon, allez, on va le déterrer. Viens là, connard. Voilà, allez, montre-toi. Ça va, je t'ai tué une fois, je peux le faire deux fois, même trois. Je prends un fifou, moi. Bitch. Hop. Merde. Bitch. Bitch. Putain, mais j'ai encore la Wiimote. Voilà. Tu sais, c'est après, c'est tu ressens la Wiimote. Tu ressens le trouble dans la force de la Wiimote. Casse-toi. Là, je sens qu'elle est troublée. Voilà, elle est troublée un peu. Oh. Putain, mais... Arrêtez de me troubler ma Wiimote. Méchant. Voilà. Ah, blablabla. Bitch. Il me cause plus de problèmes qu'il m'en a causé la première fois. Il faut pas attention. Pas sur le combat. Attends. Hop. C'est lui qui va sauver. Voilà. Allez. Papa, t'as moins. Putain, lève ta patoune. Olé. Hop, hop, hop. On se calme. Ok. Ah. Nope. Hop, 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 hop. Tu te crois là? Hein? Chez mamie? Bitch. Bitch. Oh putain, j'ai oublié cette histoire. Allez, sors. Pas cache-cache avec moi. Voilà. C'est déjà en fou. Il a peur de moi, il a peur d'Aquasis. Je peux le comprendre, même les gens dans la rue ils ont peur de moi. Aïe, 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 aïe. Ça a tendance à provoquer une douleur. Aïe. Ça a tendance à provoquer ma mort. Parce que j'ai une fée, oui. Heureusement. Bitch. Bitch. T'apprendre moi essayer de me tuer. On va réussir à me tuer. Heureusement, les filles ont le pouvoir de ramener entre les morts. Pour quelque raison que ce soit. Voilà, tiens. Avoir autant de galères sur un boss que j'ai battu il y a si longtemps, c'est une honte. Déjà je me suis pas contenté aussi. Je suis pas allé. Mais attention que cette installation a longtemps été un repère de monstres. No shit, Sherlock. Vos chances de trouver des indices sur le navire dans cette zone sont extrêmement faibles. Ce qui veut dire, non, on sort. C'est pas là qu'il faut rester, pas la peine de fouiller dans le sable. Merci. Et oh oh, la Wiimote n'a bientôt plus de batterie, génial. Attends, ce qui veut dire que je me suis cassé le cul. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mettre les piles de votre télécommande. Tu peux pas parler plus vite? Pourquoi tu parles si lentement? Vite, sont presque vides. Je m'en bats les couilles. De toute façon, je finis l'épisode et ensuite j'irai les changer. Non, vous avez encore une bonne minute et demie de vidéo. Ah! Vous allez devoir me subir encore une minute et demie. Ça vous apprendra un peu. Qu'est-ce qu'il a, lui? Putain, t'es jeune. Ah, mon taille, oui. Et mon chien d'un coup, il se lève d'un coup. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Bon, il vient me faire. Je crois qu'il vient pour un câlin. Oh, mais non, je suis occupé, mon grand. Je suis occupé. Pas maintenant. Le navire n'était pas ici? Dommage. C'est pas très attrayant, mais il reste à explorer le repère des pirates qui ont volé mon navire. Ça aurait été le plus logique dès le départ. Je tiens juste à te le dire. Oui, non, mais vous savez, des pirates qui ont volé un bateau, vous savez quoi? On va le remettre au chantier naval parce qu'on est gentils, nous. Ouh, j'ai un peu peur. Le chef des pirates est un androïde très costaud qui a l'air de sbires sous ses ordres. Je préférerais éviter de le rencontrer à nouveau, mais il le faut, pour mon navire. Il y a des... Wow, le repère des pirates est juste à côté du chantier naval. Wow, la logique m'échappe totalement. Rassemble ton courage, essayons, on largue les amarres. Je sais pas moi, tu relocalises ton machin s'il y a un truc de pirate juste à côté. Je sais pas si c'est débossé, mais putain, vous étiez des robots.
Vous étiez technologiquement avancé, vous pourriez très bien relocaliser votre chantier naval plutôt que de rester là où il y a un truc de pirate juste à côté. Seriously? Dude! Et puis en plus, de toute façon, c'est beau être un androïde, tout le monde est mort autour de toi. Tu en es conscient. Tu l'as toi-même prouvé que t'en étais conscient. Ils sont tous morts. T'as rien à rencontrer. Ah là là, la logique. Repère, pirate. Ouais, mais il est vide. Wow, c'est le grand Jabu. Lol. Ouh, c'est vraiment pas très engageant. Mais y'a rien à craindre en fin de compte. Ils doivent tous être morts, pas vrai? Ah, merci, un peu de jugeote ici. Tout le monde n'a pas la chance de se balader avec un chronolithe. Alors pas de quoi s'inquiéter. Allez, Issou, pars, j'ai mon avion, Moussaillon. Je t'attendrai ici. Je te trouve quand même très zélé pour cette situation, hein. Genre, y'a tout le monde qui est mort, toute ta civilisation est morte. Oh, moi je m'en fous, mais j'ai un chronolithe, je vis, je m'en bats les couilles. Il est vraiment très... comment dire... Il en a un peu rien à foutre, voilà. Un peu beaucoup même. Oh, je vois. Des copains électriques. Le Pikachu. Ah, c'est des émolgas, d'accord, j'ai compris. Hop, il y a plein de choses qui sont tombées un peu partout, dont une griffe de monstre ici. Qui a disparu le temps que j'arrive, bordel de merde. Bon. Il suffit donc de réfléchir l'entrée de cette... Blablabla. Non, l'entrée ne doit pas être à blabla. Non, pas ici. Peut-être de l'autre côté. Mais bon, en tout cas, s'il arrive à se faire pas de problème, hein, pour sa civilisation, sa famille, son équipage et ses amis sont tous morts, ben... Non, il le vit bien, hein. Il a le droit. Je critique pas là-dessus. Si, je critique. Si. Ah, il y a une pop-porte. J'avais pas vu. Il y a la pop-porte. La pop-porte a fait pop-porte. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ok. Alors. Oh, quoi? Maître, regardez par ici. Quoi? C'est un dildo pour 4 personnes? Il n'y a pas de chronolithe sur ce socle, mais... La probabilité qu'il s'agisse d'une installation similaire à celle des mines de l'Anel est de 95%. J'aimais l'hypothèse que des chronolithes étaient utilisés ici comme source d'alimentation. Ce qui veut dire que je pourrais réactiver tous les pièges, mais également les portes, si je mets une chronolithe dedans. Ah, c'est pas très engageant. Bon, bah les amis, moi je vais pouvoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était Aquasis pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Skyward Sword. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Twitter ou AskFM si la vidéo vous a plu. Un petit pouce pour toujours m'être utile et également partager les vidéos, tout ça. C'est comme ça qu'on répand la folie d'Aquasis dans le monde. Et on se retrouvera au prochain épisode. Je vous dis à très bientôt.